Mon dernier album à 3 ans, je pensais qu'on savait tous que j'y retournerais pas. Finalement, c'était pas très clair. Donc j'ai répondu naturellement à quelqu'un, écoute, je pense pas que je sortirai d'album encore. Un petit son de temps en temps, un petit kiff, un petit concert, un petit feat, on se fait plaisir. Mais voilà, tu vois, j'ai un peu l'impression qu'il y a une génération 2, 3 qui sont arrivées depuis. J'ai un peu l'impression qu'il y a un renouvellement naturel qui s'opère. Je trouve ça super, et même si je suis très sollicité, que ce soit par les professionnels, le public ou les maisons de disques, j'ai un peu l'impression que j'ai le droit de partir avec, pour reprendre la citation d'Internet, que j'ai le droit de repartir avec mes coupes, mes médailles, proprement, de tête haute, dignement, aller faire des choses que je pense qui sont plus en adéquation ou en phase avec mon âge, avec qui je suis aujourd'hui, etc. Donc voilà, j'avais plusieurs choix. Soit je faisais du jeunisme et j'essayais de plaire à des gamins en fantasmant une vie que je n'ai plus, un quotidien, une réalité que je n'ai plus, parce qu'il y avait un principe d'honnêteté dans ma musique que j'ai énormément de mal à travestir. Soit je faisais encore la blague pour 2-3 albums, puis le côté financier aidait, et puis on continuait à faire le pas de claquette entre les deux. Soit je m'écoutais vraiment, je suivais mon cœur et je me disais que j'avais envie de m'exprimer artistiquement différemment avec le temps et que le cinéma s'y prêtait plus aujourd'hui. Voilà.